Le 25 mai 2004, un vaisseau extraterrestre se place en orbite autour de la Terre. Et durant les tentatives humaines pour communiquer, il lâche plusieurs nuages de spores dans les couches supérieures de l'atmosphère, où les spores se multiplient rapidement, cachant jusqu'à la lumière du soleil. Après 7 jours, les spores tombent au sol, détruisant presque toute la vie macroscopique sur la planète. C'est avec cette idée de scénario que naissa une quintilogie de jeux, la série UFO. Et pour ce rétro, nous allons nous intéresser au premier, Aftermath. C'est complètement pété ce que je viens de faire quand même. Bon, moi j'aime bien. Bonjour à tous, je suis Alice et on est sur un nouveau rétro sur le premier jeu UFO de la quintilogie des UFO. Il me semble qu'il y en a 5, j'en suis même sûr. Sur Aftermath. Ce jeu, que vous dire dessus? C'est un bon jeu déjà. Pour vous donner le genre, c'est XCOM. Au tout début, c'est les premiers essais de XCOM. C'est sorti en 2000... non, pas en 2007. Si, en 2007, il me semble. Si je dis pas de conneries. Et pour vous montrer les ressemblances avec XCOM, nous allons faire une partie tout de suite. Mais avant la partie, nous allons faire la mission d'apprentissage. Parce que il faut, donc là, nous voyons ici ce qui se passe. Le briefing avec les objectifs, l'environnement, le terrain, végétation, limite d'équipe, c'est pour les missions. Impact estimé, c'est spécial parce que... spécial, voilà. Urgence élevée. Yes, sir. Alors, lisons le texte. Après l'attaque extraterrestre, seules quelques personnes ont survécu, abritées dans des bunkers et des bases fermées, ou parce qu'un destin capricieux en a voulu ainsi. Malcolm McLean est l'un de ces survivants. Armé de son vieux Colt et d'un fusil à pompe, il se met en route vers la ville autrefois familière. Aujourd'hui, jonché de cadavres et peuplé par d'étranges monstres appelés les transgéniques. Vous allez devoir le guider jusqu'à l'autre côté de la ville. La zone est délimitée en vert. Alors, la caméra, donner des ordres, etc. Donc, vous voyez, il y a ce personnage, Malcolm. Donc là, je peux zoomer. Oh, je suis des... Ouah, je suis 360, c'est trop bien. Alors, on va s'arrêter une seconde. Là, je suis en pause. Alors, vous le voyez pas, mais je suis en pause. Donc, je vais vous faire le topo vite fait. Et attention, utilisation de montage GG, utilisation du GG montage grâce à Camtasia. Je fais de la pub, j'en ai rien à foutre. En haut à gauche, c'est pour passer le temps. Donc, du coup, là, le temps est au stop. Là, il sera à vitesse lente. Là, à vitesse normale, on va dire. Et là, à vitesse accélérée. Ce que vous voyez juste ici, c'est une boussole. Voilà. Ici, ce seront pour certaines missions. Donc là, ce sera la fin de mission. Et là, ce sera pour rentrer dans le secteur suivant. Ce sera le cas pour certaines missions. Donc là, si je suis fin de mission, il me dit, va te faire foutre. Voilà. Donc, voilà. Et là, ce sera pour rentrer, sauf que je ne peux rien faire. Ici, nous avons... Bah, attendez, je vais faire ça doucement. Là, c'est le texte. Ça sera le texte en disant, ah là, un de vos coéquipiers a fait ça, 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 etc. Non, dégage-toi. Ensuite, ici, les options des messages. Donc là, vous voyez, j'entends dans les données tactiques. Donc, cette icône-là, c'est un message « Arrête le temps ». Ceci, c'est pour montrer à quelle zone ça se passe, et ça, c'est pour les informations. Juste là, nous avons l'équipement du personnage. Donc là, bam, direct. Alors, nous décrirons cet écran en détail plus tard, blablabla. Donc en gros, pour comprendre, ici vous avez les compétences du personnage. Donc là, on voit plein de choses, les valeurs actuelles. Ce qu'il porte sur lui comme arme, ainsi que les capacités de chargeur, dans sa ceinture et son équipement sac à dos. Et là, c'est tout ce qui est objet au sol, donc on pourra ramasser des objets, ainsi que fouiller des aliens, enfin des transgéniques. Et là, c'est les protections, les archives personnelles, les caractéristiques et la profession. Alors, ce sera pour le booster un petit peu. On verra ça plus en détail un jour. Voilà. Ici, putain, j'en ai marre cette caméra. Ici, ce sont les objectifs de mission. Donc vous voyez, gagner le secteur de destination
Et là, c'est le menu. Donc, je vais revenir. Ensuite, en bas qui prend une bonne partie, c'est votre équipe. Vous avez jusqu'à 7 personnes avec bien sûr marqué le niveau. Alors ça, c'est pour le temps de déplacement. Vous voyez, je peux me déplacer où je veux. Voilà, je fais n'importe quoi, je fais des trucs bizarres, je fais des... Voilà. Vous avez sa barre de vie juste ici. Là, l'arme. Alors là aussi, il y a le mode de tir. Donc là, c'est la visée. Je ne peux pas changer le mode de tir pour cette arme, hélas. Mais il y a certaines armes où je peux faire un mode de visée qui accrue les chances d'atteindre la cible, mais peu de dégâts, ou bien le mode rafale qui accrue ses dégâts, mais diminue les chances d'atteindre la cible. Ensuite, juste en bas à droite, vous avez différentes options. Donc vous avez attaquer, recharger les armes, lancer, déplacement normal, attendre, utiliser, ouvrir ou manipuler. Donc je peux faire plein de choses. Là, vous avez annulé le dernier ordre. Donc si vous par exemple vous dites d'aller là-bas, mais en fait vous vous rendez compte qu'il se passe un truc, vous pouvez annuler. Ici c'est pour voilà, c'est le mode course, le mode marche, lever, s'agenouiller et annuler tous les ordres. Donc je vais annuler tous les ordres et voilà. Le menuing c'est fait, on va avancer. Et donc pour remettre en temps normal, c'est espace il me semble. Gagné, bon, vous voyez, il avance. Le temps s'est remis en pause car Malcolm a repéré un ennemi. Voilà. Donc vous voyez là, il y a un ennemi, une contre-mouche. Donc vous voyez, je peux l'attaquer. Enfin, je ne peux pas l'attaquer. Donc il va falloir que je fasse passer le temps de manière à ce qu'il se rapproche. Voilà. Ici, donc vous voyez, là c'est devenu vert. Et à côté, vous avez le pourcentage de chance que j'ai de le toucher. Donc plus vous êtes loin, moins vous avez de chance de le toucher. Donc vous allez essayer de vous rapprocher un maximum. Voilà. Tac. Là, je suis à 46%, 59%. J'ai plus d'une chance sur deux de le toucher. Donc là, j'annule le dernier ordre et je vais l'attaquer comme ceci. Alors évidemment, c'est bouton gauche. Vous voyez là. Non, c'est bouton droit pour attaquer. Bouton gauche, c'est pour faire les options à la con. Là, vous voyez ensuite, il y a un 72% qui est encadré. C'est-à-dire que là, je peux faire plusieurs attaques. Donc là, je peux vider mes balles sur lui, comme un chien. Voilà, j'ai tué un ennemi. Et c'est marqué dans la fenêtre de dialogue. Même votre soldat fige un coup critique pour 1200 points de dégâts. Normal. C'est trop bien. Donc ensuite, ce que je peux faire. Donc là, à chaque fois que là, je mets une unité, à chaque fois qu'il ne fait rien, c'est le temps se met en pause. Et on revient sur lui. Donc là, on me dit d'aller là-bas. Enfin, il y a un objet là. Sauf que je vais aller sur l'ennemi. Je t'emmerde. Je vais aller sur l'ennemi. Et ce qui se passe ensuite, c'est que je vais aller sur la feuille de Malcolm avec le clic droit. Et dans équiper, vous voyez, je peux récupérer les objets au sol. Donc là, je peux prendre la contre-mouche, le comme cadavre. Et on peut aussi voir les objets qu'elle transportait. Bon, elle avait rien. Et voilà. Donc cette contre-mouche n'avait rien. Ça ne sert à rien. Je vais avancer maintenant. Donc je vais prendre la rue. Et je vais aller voir cet objet ici. Donc je vais me diriger dessus. Alors le pathfinding par contre est dégueulasse. Voilà. Donc à chaque fois ça me met des messages, évidemment ça met le temps en pause. Donc j'avance tranquillement. Je me mets en vue quand dégagé. Guérison en cours. Malcolm a repéré un autre humain. Il est tendu au sol mais il n'est pas mort. Donc là ensuite c'est pour vous montrer comment équiper un objet. Donc vous voyez là j'ai Brian. Ta gueule. Donc, Ready. hop. Donc là, ensuite, on a sur mal. Alors, il faut que je récupère. Non. Voilà, il faut que j'équipe la trousse de soins. Donc là, il y a un cadavre mort. Enfin, il y a un cadavre ça avec tous ces équipements. Donc là, ce que je peux faire, c'est. Alors, attention, il faut bien le faire. Prendre l'arme. Déplacer dans sac à dos. Prendre la trousse de soins. Déplacer dans la main. Ensuite, il faut faire terminer. Passer le temps. De manière à ce que l'animation pour changer d'arme se fasse. Ensuite, il faut avec ceci sélectionner Brian et le soigner. All done, sir. Voilà. Sauf que ce Brian, je vais le soigner à fond. Et chaque trousse de secours a 10, on va dire 10 pilules dedans pour requinquer tout le monde.
Alors, le truc de changement d'objet, ça va être chiant pour tout le monde, même moi, ça m'a fait chier. Donc là, je vais lui redonner toute sa vie. Voilà. Je vais annuler les actions maintenant. Donc, All tac. done, sir. Ensuite, je vais le déplacer pour que Brian se relève. There's one. Et là, il y a un ennemi. Bon, le piolet, on s'en fout. All done, sir. Your orders, Alors sir. là, Brian fait n'importe quoi. Comment ça, Brian fait de la merde? Bon, tant pis, on va repasser là. Donc là, il faut mettre l'objet là, redonner, Yes, faire sir. terminer. Bon, Brian, il me fait chier. Et on va s'approcher. Voilà, Brian, il se relève. I'm in trouble. Voilà. Attendez, il faut aussi que... Voilà, ça y est. Donc là, on va enfin pouvoir jouer parce que c'est chiant. Et on se fait chier. Donc là, vous voyez, Brian s'est enfin relevé, a récupéré tous ses équipements et possède un Uzi. Donc cette arme possède deux modes de tirer. Donc là, vous avez le mode de tirer visé. Mais là, vous avez le mode de tirer rafale. Donc là, j'ai moins de chances de le toucher. Ouais, là, j'ai 18% de chance. Mais si je le mets, là, j'ai 27%. Donc là, ce que je vais faire, Ready. c'est les deux là. Bon, il y en a un qui a pris les dégâts. Je vais annuler. Les mettre côte à côte, donc genre là, They got me. hop, hop, I'm under hop, attack. et là je vais attaquer. Kill that Voilà. bastard. Donc à chaque fois que votre équipe tue quelqu'un, il ne gagne pas d'expérience en général. Je vais quand même vérifier. Votre soldat a été touché par Piolet, donc là la couleur ça correspond au personnage, donc Brian a été un peu blessé, voilà. Donc là ce qu'on va faire Ready, sir. c'est que Brian va aller sur le cadavre là, donc on va déjà annuler ses ordres. Voilà, va aller sur le cadavre. Awaiting further orders. Sur le cadavre, putain. Voilà. Ensuite, sur le cadavre, il va récupérer bien sûr tous ses objets, soit ce magnifique Browning Power ouf, et ainsi, non, reviens, ainsi que bah tout ça. Donc ça, vous êtes obligé de faire des clics et glisser, c'est chiant. Sauf que là, j'ai fait pendant la pause. Donc là, il faut attendre que l'animation se fasse. Donc là, je veux bien vous le mettre en phase, en face l'animation. Voyez, attention, hop, il récupère. Il récupère, il a oula, mon écran fait n'importe quoi. C'est What la now, coupure sir? fraps, c'est normal. Et voilà, donc ensuite c'est trop bien. Donc là, Good to on les go. remet ensemble. Enfin, on va les faire suivre. Et vous voyez là, la suite est bah là, encadrée en vert ici. Donc là, il faut que j'y aille. Donc j'y vais. Your order, sir. Les deux, bordel de merde. Donc vous voyez, il y en a un qui va plus vite que l'autre. Dans certaines circonstances, vous voudriez peut-être, voilà. Donc là, essayez de vous montrer, voilà, il faut Ready. que tu lances une grenade. Sauf que les grenades, c'est des putes. Pour sembler bonne raison que ça fait du bruit. Je vais augmenter un peu, Well done, voilà. sir. Donc on va dire Yes, que sir. Malcolm, hop là, tu vas poser ça là, t'équiper de la grenade. Et terminé, tu vas la jeter. Bah putain, t'es pas assez loin. Bordel de merde. On n'est pas dans la merde. Tu vas t'approcher là et tu vas la jeter. Oui, il y a tout un aspect de recherche. Voilà, attention, hop, ça va aller vite. Il All done, lance la sir. grenade. On l'attend. Ouais. La ferme. All done, sir. Attends, 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 qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce? Non, alors, tu prends la grenade. Voilà. Tu vas l'utiliser en fait. C'était le but. Ouais, sinon vous pouvez faire ça, attendez. All done, sir. Allez, voilà, on va tous aller là et on va ouvrir la porte en fait. Voilà. Parce que les grenades, voilà, c'est cool.
What now, sir? Tac, la porte elle est ouverte, grenade mes fesses. Et là donc on va aller sur le carré. Et voilà. Hop là. Voilà. Et donc là, fin de mission, c'est trop bien. Donc on peut bien sûr, lorsqu'on fait une mission, soit quitter, revenir partir avec tout le monde et les équipements que vous avez, soit continuer à explorer pour plus d'équipements. Donc là je fais fin, donc voilà. Le débriefing là, donc mission remplie avec succès, perdre les 0 hommes, 2 soldats blessés, mais bon c'est pas grand chose les soldats. Vous réussissez à tuer 2 ennemis blessés, vos soldats blablabla. Vous avez récupéré, donc là c'est tous les objets, trucs et voilà. Et donc là ensuite vous avez le niveau supérieur, donc là vous voyez c'est quand un soldat passe au niveau supérieur, voilà, Captain Obvious, trop bien. Donc là ensuite ce que vous pouvez faire c'est augmenter une des 6 caractéristiques qui vont augmenter une ou plusieurs compétences de manière différente. Donc là ça augmente, par exemple la force là, si je la prends ça augmente les points de vie, la vitesse, l'emport, les armes lourdes, le lancer, etc. Vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez. Donc là vous voyez total d'XP. Donc là pour Malcolm qui passe, voyons, je vais augmenter son intelligence parce que moi il y a mauvais, alors c'est mauvaise, faible, moyenne, bonne, très bonne, excellente en matière de caractéristiques. Voilà. Alors après il y a les sous-compétences, je sais pas trop à quoi ça sert. Point de vie, vitesse, esquive, c'est bon, on a compris. Précision, fusil, blablabla. Tout ce qui est xénologie, emport, médecine, description, si discrétion, c'est pour, c'est quand vous marchez. Observation, c'est pour repérer les ennemis. Bref, plein de trucs trop bien. Ce que je vais faire par contre, c'est non, je peux pas. Donc là, je vais augmenter un petit peu son intelligence parce que voilà. Donc au pire, je vais augmenter sa dextérité ou sa force tiens. Et pour Brian, je vais augmenter il est pas dans la merde lui. Sa dextérité. Encore que ouais, son agilité est mieux. Donc là terminé. Voilà, donc félicitations, première mission, etc. Message du conseil, blablabla. Donc stop, là, le temps est arrêté. Nouveau truc, là. Donc là, vous voyez, c'est la date en anglais, l'heure, la capacité de défilement, en haut à gauche. En haut à droite, c'est recherche et développement. Vous pouvez développer des choses, plein de trucs, hein. Donc évidemment, il faut le matériel nécessaire. Donc là, ça nécessite rien du tout. Vous pouvez commencer à faire. Et donc dans 2 jours, 1 heure, et bien ce sera fait. Ensuite voilà, technologie développée, vous pouvez les garder. Au moins ça vous montrera où vous êtes. Ensuite dans la recherche, on peut faire plein de choses. Par exemple, le crépuscule et la chute, la plupart des êtres humains ont disparu. Nous devons nous demander ce qui s'est passé, pourquoi et ce comment nous pouvons faire désormais. Donc là c'est la recherche et tout. Nécessite du temps, on peut lancer. Voilà. Sauf que l'on n'a aucun centre de recherche. Et c'est bien là le problème. D'ailleurs, je pense si on en a au développement. Ça, j'ai rien cliqué. Ah, c'est dans le glossaire. Donc le glossaire, on verra plus tard. Là, votre équipe, le glossaire, le système. Alors ça, nombre de bases sous votre contrôle 2. Donc elles sont ici. Nous avons une base militaire, aucune base scientifique et une base de fabrication. Donc là on va essayer de zoomer un petit peu sur le monde. Non, voilà, on peut zoomer comme des tarés. Voilà. Donc là en touchant on peut aller voir. Vous voyez, le monde est assez bien représenté. N'est-ce pas sans rappeler XCOM Enemy Unknown. Si t'avais mon accent anglais qui GG à fond. Voilà, donc là j'ai une zone assez grande. Le but étant de faire en sorte que la menace extraterrestre se disparaisse de l'humanité. Voilà. Donc on va faire une mission pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là vous voyez, fabrication, je peux changer de type. Donc dans 24 heures ça changera. Je peux faire militaire ou recherche. Je vais faire une base de recherche. Voilà, ça c'est fait. Donc là vous voyez, il y a plein de trucs. Là je peux, voilà, je peux zoomer comme ça. Donc là, vous voyez, ça veut dire que ça change. Donc dans 24 heures, ça va changer. Et là, c'est une base militaire, je vais la garder. Présence 100%. Au fur et à mesure du temps, la présence se fera de moins en moins. Et donc, du coup, faudra
refaire cette mission pour être sûr de compléter tout ce merdier. Donc là, je vais passer le temps. Donc, nouvelle recrue disponible. Voilà, c'est à différents intervalles. Donc là, nous avons Barry. Barry qui va donc intégrer notre équipe. Je vais donc lui donner mes équipements. Alors, chose importante. Les équipements, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. N'empêche que ça va être le plus important. Donc là, je vais équiper tout le monde. Alors, vous avez pistolet, fusil, armure lourde, autres. Alors, les autres, c'est très important. Et les armures. Les armures, évidemment, bah... Manu, non, qu'est-ce que tu m'as fait? Tiens, tu prends ça, t'as assez de munitions. Ouais, vous avez des vêtements. Alors, évidemment, les caractéristiques. Donc là, hop, je vais mettre ça et le casque pour tout le monde. Toujours les équiper à fond. Vous pouvez faire des recherches pour d'autres équipements. Vous pouvez aussi en prendre. La chose la plus importante, cependant... tiens, j'ai donné ça. Donc, vous voyez, dans pistolet... Hop, j'en ai qu'un seul, vu que ce sont les armes spéciales. Ainsi que les recherches qui vont avec. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, toujours avoir un pack de soins. Les grenades, vous pouvez oublier. Les fusées éclairantes, je sais pas à quoi ça sert, perso. Mais toujours les soins. Et donc, dès qu'une personne arrive, vous le faites en armure, full. Vous lui donnez une trousse. Et vous pouvez lui donner ce que vous voulez comme arme. Donc là, j'ai... voyez, aussi en rafale et en visée. Je vais lui donner... je vais pas lui donner cette arme, je vais lui donner un Uzi aussi parce que l'Uzi c'est trop classe. Et je peux lui donner le maximum de munitions, 4 munitions maximum d'Uzi. Voilà, donc retour. On laisse le temps filer, donc un peu plus vite. Voilà, 10h47, une nouvelle mission est disponible près de Seattle. Donc je peux centrer. Donc là aussi, une nouvelle mission est près de Lassacor, donc c'est là-bas. Une nouvelle mission est disponible près de Seattle, donc voilà, vous avez plein de missions. Là, j'ai déjà 4 missions, donc là... Ah, mais oui, mais arrêtez le temps aussi. Donc là, vous voyez, j'ai plein de missions. Et donc, en fonction, voilà, il se passe des choses. Vous avez un objectif, capturer un spécimen. Sécuriser le secteur. Etc, etc. Donc, c'est soit sécuriser le secteur, ramener un transgénique, ou bien récupérer un objet. Et ce jeu... est très bon. Ce jeu est assez bon. Je vous recommande franchement d'y jouer. Les musiques du hub sont d'une beauté, d'une intensité énorme. Ce jeu mérite qu'on s'y attarde. Voilà. Est-ce que je vais quand même vous montrer une mission? Oui. Je vais vous montrer une mission, donc là je vais pas prendre ces missions là parce que c'est chiant. Je vais vous montrer une mission où vous devez éliminer l'opposition. Donc là vous pouvez soit déléguer la mission à quelqu'un, soit vous pouvez l'accepter, vous la faites vous-même. Donc là ce que je vais faire c'est cette mission là qui est trop loin, je vais la déléguer à quelqu'un. Donc vous avez un pourcentage de chance pour que la mission réussisse. Alors on pourrait faire ça avec toutes les missions, genre... hop, celle-là, vous la déléguez à quelqu'un. Celle-là, là-bas, vous la déléguez. La déléguez à quelqu'un, voilà. Et vous en faites qu'une seule. Donc celle-là aussi, je vais la déléguer à quelqu'un. Et celle-là, je vais la faire moi-même, pour être sûr. Je vais accepter, voilà, je prends tout ce merdier. On y va. Donc, stop, voilà, reviens. Donc là, ce que vous voyez, je suis parti d'ici, vu que ça, c'est ma base. Vous pouvez changer de base en fonction de où vous voulez. Et donc, avant d'être interrompu comme un salaud... oui, je disais, vous pouvez changer de base comme vous voulez. Le petit hélicoptère, là, c'est donc votre équipe qui se ramène sur la mission. Donc, voilà, je vais remettre en normal. Voilà, et c'est parti. Donc, vous avez la mission juste ici, briefing. Alors, vous voulez détruire un certain nombre d'ennemis une fois l'objectif atteint, puisqu'on prendra fin. Clair. Donc là, vous voyez, ville, terrain, zone urbaine, végétation arctique. Donc, limite d'équipe, donc le personnage que vous pouvez prendre, 7. Impact estimé, élevé. Urgence, élevé. Voilà. Et ce jeu en fait c'est comme Neverwinter Nights, vous pouvez pas manipuler la chance mais presque. Donc du coup là si je vais dans objectif de mission, 3 transgéniques. Donc là si je meurs c'est pas grave, ça arrêtera le test. Donc je vais prendre les 3. Vous avez pas de map par contre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, vous voyez la map, les maps sont quand même assez grandes.
a quand même de quoi faire. Donc on va commencer par les rails. There's one. Voilà, et là vous voyez, quelle animation incroyable. Nous avons donc un premier ennemi, un masher. Donc là, hop, j'ai repéré un ennemi, et vu que c'est ma mission, je vais aller le voir. Donc hop, il se déplace en même temps que moi. Hop, il m'a vu. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites parce que ça sert à rien. Visez-le. Voilà. Donc, voilà, vous avez tué quelqu'un. Les mâcheurs ne donnent rien. Ne donneront jamais rien. Mais vraiment rien du tout. Donc là, hop, tout le monde vous ramenez votre cul ici. Tout le monde vous ramenez votre cul ici. Et vous allez vous déplacer là-bas. Mais en courant par contre, ce serait bien. Ah mais non, mais je suis en vitesse normale. Donc là, vous voyez, un ennemi, sauf que il a disparu. Il a disparu de notre visée, donc on va continuer à marcher. Voilà, donc là, je suis un transgénique, c'était trop cool et tout, il s'est passé des choses. Hop, hop, il n'y a personne, on continue. Bien explorer, alors par contre, vous pouvez pas rentrer dans la maison, soyons clairs. Et là nous avons alors un ennemi chiant, un piolette qui a une arme comme vous voyez. Donc celui-là, vous faites des backup strats. Hein. Vous attendez. Voilà, et si ça vient pas, bah vous vous ramenez bordel de merde. Voilà, donc là le piolette il est là. Donc là vous pouvez faire soit la strat du pauvre, c'est-à-dire marcher et aller tout doucement vers lui. Sauf que voilà il se passe ça. Donc là, contre Mouche aussi, elle a une arme au bout de ses mains. Donc là, ça va être chiant. Et c'est là que le jeu prend tout son sens. C'est que, bordel de merde, vous allez courir. Voilà, il se passe trop de choses. Donc là, hop. Voilà, comment ça? Comme, what? T'as plus de... Ah non, t'es trop loin. Bon, bah toi, tu vas recharger. Recharge. Ici. Et deux autres. Mais bordel de merde, foutez-moi la paix. Bon, vous vous rapprochez et vous le butez. Non, vous le butez les mecs, soyez pas cons. M'en fous. Voilà, à mort. Donc toi tu meurs. J'ai dit tu meurs en fait. Donc tu meurs. Voilà. Non mais. Voilà, donc il se passe des choses. Malcolm est entre. Voilà. Donc là, vous voyez, Malcolm était dans la zone rouge. Il pouvait rien faire. Donc là, fin. Point final. Ouais, c'est chiant. Et donc en fait, vous récupérez des trucs en fait sur les cadavres. Donc je récupère un FN tactical, blablabla. Un d'entre eux doit se rétablir à l'infirmerie, c'est-à-dire les personnes blessées gravement. Donc là, blessé gravement un ennemi, c'est quand sa barre de vie est rouge et qu'il ne peut plus bouger. Donc là, soit vous le tuez, soit vous faites ce que vous voulez. Donc là, hop, des points d'XP gagnés et un level up. Donc niveau 3, bon, pas pour lui parce qu'il est chiant. Pourquoi il est en jaune? Oui, ça veut peut-être dire va te faire foutre. Et donc là, je peux passer de excellent à héroïque parce qu'il n'y a rien à foutre. Je vais augmenter un truc au pif, hein. Voilà, la force héroïque, et puis toi, la volonté, point final. Maintenant, il faut que l'équipe revienne. Arrêtez, donc là, vous voyez, il faut que... Alors, c'est soit j'y vais, soit je l'accepte, c'est-à-dire je fais un détour, je pose rien. J'ai pas envie, donc je vais la déléguer. Nouvelle recrue, alors la recrue tant que je ne peux pas y aller, vous voyez ce petit symbole d'hélico qui est là, c'est-à-dire il faut que j'attende de venir. Non mais commandant scientifique, on finit à la recherche et développement, c'est génial les mecs. Donc ça je peux le faire. Capuscule et la chute, est-ce que cette technologie est finie? Oui, donc je peux commencer. Allez, voilà. L'hélicoptère vient de rentrer de mission, donc là je vois l'équipe, elle est trop bien. Mais je vais m'arrêter parce que je vais vous laisser quand même le plaisir de jouer à ce jeu, d'en découvrir tous ses mystères, ses subtilités et sa BO, sa bande son. J'espère quand même que ça vous aura plu.
Si c'est le cas, je vous demanderai bien sûr de la partager, de liker, de mettre un commentaire si vous avez déjà joué au jeu, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que cette quintilogie est meilleure ou a beaucoup inspiré UFO, enfin XCOM Enemy Unknown, ou la série XCOM en tout? Mais pour ma part, je pense que c'est un début de XCOM. Après, XCOM, c'est largement mieux, certes, mais pour moi, c'est le premier. Enfin, voilà. Je ne saurais pas comment le dire. Pour moi, c'est UFO, c'est le premier XCOM. Voilà. Donc, si ça vous a plu, hein, c'est abonnez-vous à YouTube si c'est pas déjà fait. Je me suis sur Twitter. De faire ce que vous voulez, d'y jouer surtout. Bon jeu, et à la prochaine.